Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme dit hier sur Instagram, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être un peu aussi sur le thème de Noël, parce que j'ai eu l'idée de vous faire une sélection de calendriers de Noël. Donc vous verrez pour cette vidéo, je vais diviser par deux parce qu'il y a deux catégories différentes de calendriers de l'Avent. Il y a ceux qui sont du 1er au 12 et ceux qui sont du 1er au 24 pour attendre gentiment le Papa Noël. Avant de vous laisser avec le générique, comme à mon habitude, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Et en plus ça, c'est chose que je ne fais strictement jamais et je sais pas pourquoi. Je crois que des fois je suis pas très très claire dans ma tête. Je vous invite également à me suivre et à activer les notifications de ma chaîne YouTube. Juste ici vous pourrez retrouver mon logo que j'ai récemment créé. Et donc en cliquant dessus vous pourrez directement vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc sélection de calendrier de l'Avent, on va commencer la catégorie de calendrier pardon qui sont du 1er au 12. Donc en fait c'est des calendriers de l'Avent qui sont sur la moitié de la période de, du 1er jusqu'au 24 décembre pardon, pour attendre le Papa Noël. Et donc ce matin je me suis réveillée, hier je n'avais pas du tout vu ça, et j'ai vu dans la story de Kylie Jenner qu'elle proposait donc sur son site Kylie Cosmetics un calendrier de l'Avent, donc du 1er au 12 décembre. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas, c'est que premièrement, des fois, premièrement, j'avais du mal avec ces calendriers qui sont du 1er au 12, parce que je me dis c'est dommage, etc. C'est pas jusqu'au 24. Mais finalement, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si jamais on a envie de tester deux calendriers de l'Avent, il y a plusieurs marques qui proposent ces calendriers-là sous forme du 1er au 12, et donc pour avoir deux fois, enfin deux différents calendriers de l'Avent, pour attendre gentiment le Papa Noël, donc pourquoi pas. Je n'ai pas le prix du calendrier de l'Avent Kylie Cosmetics, je vous mets là le screen d'écran de sa story, je ne l'ai pas trouvé non plus sur son site internet, je suis en direct là du site internet et je ne le trouve pas, donc je vous inviterai à le faire directement, mais je sais que si elle a fait la pub, c'est qu'il va être en ligne. Concernant les calendriers donc du 1er au 12, je n'en ai pas sélectionné d'autres, parce que c'est vrai que je ne suis pas tombée sur, enfin les marques que j'ai sélectionnées n'avaient pas fait de calendrier du 1er au 12, donc je n'en aurai pas d'autres, mais je sais que nombreux d'entre vous doivent être fans des produits de Kylie Cosmetics, même si moi je suis pas trop une youtubeuse beauté, enfin on va dire beauté cheveux, oui, etc. Mais make-up c'est pas trop mon point fort. Aujourd'hui vous verrez que beaucoup de calendriers de l'Avent sont évidemment des calendriers de l'Avent make-up, parce qu'on ne peut pas mettre des t-shirts dans un calendrier de l'Avent. C'est dommage, on devrait créer ensemble un gigantesque calendrier de l'Avent avec des cases qui sont larges comme ça, avec des vêtements dedans. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pas pour l'instant. Donc on va passer donc à la deuxième partie de cette vidéo, et pour cette deuxième partie de vidéo, donc on passe au vrai calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre pour attendre gentiment le Père Noël. Et vous verrez que j'en ai sélectionné 10 ou 11 normalement, et j'ai sélectionné ceux pour moi qui sont les meilleurs, et vous verrez que j'ai sélectionné aussi quelques-uns qui sont de luxe, donc vous verrez qu'il y a vraiment un budget à mettre, parce que malheureusement vos calendriers faits par des grandes maisons comme Dior ou Yves Saint Laurent Beauty ont un certain prix. Donc on passe à cette partie là donc c'est parti. D'ailleurs, petit aparté, j'ai changé de coupe, là, j'ai fait une coupe à la Negin, enfin de coupe de coiffure. Est-ce que ça vous plaît, ces petites coupes? Moi, j'aime bien, c'est sympa, ça change. Dites-moi si ça vous plaît. Et avant de continuer avec cette vidéo, je voulais vous dire quelque chose. Avec une copine sur mon Instagram, nous avons lancé un jeu concours. Donc le tirage au sort se fera le 19. C'est un site donc de vêtements, dont je vous mettrai un screen écran ici, donc de pré-tape. Elle vend que des habits stylés, etc. Il y a de la doudoune, il y a du manteau, il y a du pull, il y a de la veste, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller participer au jeu concours pour tenter sa chance. Il suffit juste de s'abonner à mon compte Instagram et à son compte, donc c'est Mon Dressing du Sud, et ensuite de venir identifier, enfin en commentaire, un de vos amis. Évidemment, plus de fois vous commenterez, plus vous aurez de chances de gagner. Donc n'hésitez surtout pas. Donc pour commencer ces calendriers de l'Avent, on va commencer par ceux qui sont de luxe. Donc le premier que je vous ai sélectionné, évidemment, comment ne pourrais-je pas vous parler de ce calendrier de l'Avent, si c'est le calendrier de l'Avent donc qui sont fait Dior. Donc c'est une exclusivité et c'est dans la catégorie nouveauté de leur site. Donc il est au prix de 350 €. Là en ce moment d'ailleurs, je crois qu'il est momentanément indisponible, donc vous pouvez mettre la notification en rentrant votre adresse mail pour qu'il puisse vous envoyer une notification quand il sera back in stock. Donc il est vraiment magnifique. Dedans vous allez retrouver des parfums, vous allez retrouver du make-up, vous allez retrouver des sérums pour la peau, chose qui est différente de l'année dernière, parce que l'année dernière ils avaient fait un calendrier d'avant que j'avais failli me, enfin ma maman avait failli m'acheter.
Et en fait, c'était vraiment avec les parfums, les éditions limitées de parfums, enfin les exclusivités online avec le bois d'argent, avec les bougies assorties, etc. Et finalement, je l'avais pas pris parce que je m'étais dit, vu que je suis compliquée en odeur, l'année dernière, il coûtait 250 euros. J'avais pas envie de mettre 250 euros dans ça. Sachant que mon parfum coûte 200 euros, autant acheter mon parfum au lieu de tester tous. Mais c'était une belle façon de tester. Et là, cette année, ils ont fait, comment dire, un calendrier d'avant. Avec une offre plus diversifiée parce qu'on retrouve voilà des produits de beauté, on retrouve des crèmes, on retrouve des soins, du parfum, donc on a un plus large choix de cadeaux dans la sélection faite par Dior dans leur calendrier de l'Avent. On continue et on passe au deuxième calendrier de l'Avent, le deuxième qui est dans la catégorie luxe. Je vous ai mis le Yves Saint Laurent, donc Yves Saint Laurent. Donc on fait un calendrier de l'Avent, donc celui-ci est comme le Dior, comme je vous ai dit, donc sur 24 jours, du 1er au 24 décembre. Et celui-ci est moins cher, il est au prix de 231 euros, donc tant mieux. Et si vous êtes fan de produits, donc Yves Saint Laurent de beauté, là vous allez être servi parce qu'ils ont vraiment mis de tout. Il y a donc des miniatures de parfums, des rouges à lèvres, des vernis, des mascaras, des anti-cernes. Il y a vraiment de tout pour vous satisfaire. Et je viens de voir également qu'il était en rupture de stock et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'il sera back in stock. Décidément, ils sont tous sold out, alors que je vous promets qu'hier, ils n'étaient pas sold out. J'ai vérifié. Bon, c'est pas grave, on continue. Et maintenant, on va passer à la marque Giorgio Armani. Alors, par exemple, je sais pas si les jeunes de notre âge, enfin de mon âge, vous portez des... Enfin, vous utilisez des produits de la marque Giorgio Armani. Mais il faut savoir qu'ils font des beaux produits make-up. Et moi, dans ma tête, c'est un peu, on va dire, une marque qui est plus pour les mamans, donc là 35, 40, 50 ans, voire plus. Mais pourquoi pas, et je sais qu'ils font des très bons produits, et eux aussi, donc on fait un calendrier de l'Avent, donc du 1er au 24 décembre. À l'intérieur, il y a différents produits, donc je vais regarder en zoom. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du parfum, on a des parfums en petit format et un en grand format. On a beaucoup de parfums. Après, on a également plusieurs rouges à lèvres, il y en a beaucoup. On a, je crois, un highlighter, on a un démaquillant, des mascaras. Et on a des crèmes pour le visage, il me semble. Donc vraiment, il est complet, il est pas mal. En plus de ça, je trouve que vraiment, chose que je n'ai pas dit dans les précédents, et je vais le dire maintenant, au moins, je me perds pas et je dis toutes les informations que je voulais vous dire. Je ne vais pas parler de packaging. Et je trouve que, par exemple, je vous le remets juste ici, le calendrier de l'Avent Dior est magnifique. De toute façon, Dior font toujours des produits exceptionnels. C'est comme un livre qu'on ouvre et je le trouve très très beau. Ensuite, celui fait par Yves Saint Laurent est moins beau que celui de Dior, je dirais, mais on est quand même sur un calendrier qui est beau, qui s'ouvre comme une sorte de livre avec des rabats, avec des belles couleurs, donc j'aime beaucoup. Pour continuer avec le packaging de Armani, est aussi très joli, mais il est quand même plus simple que celui proposé Yves Saint Laurent et par Dior. Celui-ci ne s'ouvre pas comme un livre, mais il s'ouvre comme, enfin, pas comme j'ai dit un livre, mais c'est pas un livre, comme un portail peut-être. Celui-ci s'ouvre plutôt comme un livre parce qu'il n'y a qu'une grande couverture et après à l'intérieur on a tous les petits cadeaux dans un tiroir, et ça j'adore les petits tiroirs, je trouve ça très joli. Mais en tout cas, donc celui-ci est tout aussi bien et il est au prix de 300 euros et il est encore disponible. Donc maintenant je vais préciser quand il est disponible et quand il ne l'est plus. Pour continuer avec les produits de beauté et dans les un peu de luxe, on va parler de Lancôme. C'est un site qui est très bien. En termes de packaging, je l'aime moins parce que je suis moins fan de ce rose, etc. Enfin, c'est très girly, mais j'aime moins. Je trouve que ça fait un peu too much, mais c'est quand même... Mais il est quand même joli, je ne peux pas l'enlever. Mais je trouve quand même que ce qui est bien, c'est qu'à Noël, on aura moins pu jouer avec les couleurs noires, blanc pour faire, enfin, noir pour faire la nuit, le blanc pour faire rappel à la neige, ou utiliser du rouge, du vert, parce que c'est un peu ces couleurs de Noël, ou même le bleu ciel, parce qu'on met beaucoup des sapins en bleu ciel, ça fait rappel à la neige, etc. Donc, why not? La rose, je trouve que ça n'a pas trop de rapport avec Noël, mais bon, c'est quand même tout aussi joli, ça montre bien que c'est un calendrier de l'Avent pour les filles. Et donc ici, on retrouve un calendrier de l'Avent avec énormément de produits de beauté. Et là, donc, on a aussi du démaquillant, on a des crèmes pour le visage, on a des soins, des mascaras, des parfums, des crèmes, encore des crèmes pour le corps, des démaquillants, un gros parfum, on a de tout, du rouge à lèvres. Donc encore une fois, on est sur un calendrier de l'Avent qui a énormément de choix avec une énorme diversité de produits. Donc foncez si ça vous intéresse, si vous adorez les produits de chez Lancôme. Et celui-ci est au prix de 99 euros. Donc on est bien descendu quand même sur nos prix. Et on peut toujours l'acheter car il est toujours en stock. Donc ça, c'est une information qui est vraiment importante. On continue et là on va passer toujours dans une catégorie assez luxe et je vous ai sélectionné parce que évidemment vous retrouverez que dans cette
sélection de calendriers de l'Avent. J'ai essayé, mais vraiment j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, de sélectionner des calendriers de l'Avent qui vont essayer de, comment dire, qui vont pouvoir convenir à différents types de personnalités. Donc la fille qui aime le maquillage, celle qui est gourmande, ou encore ben, celle qui aime plus les bougies, ou encore celle qui adore décorer sa maison, et vous verrez ça juste après. Donc le prochain, comme je vous disais, un peu de luxe, c'est Diptyque. Diptyque, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une marque qui font des produits de beauté, mais qui sont vraiment connus pour leurs bougies, pour leurs senteurs de maison, leurs ambiances de maison, etc. Et en fait, ils ont fait leur calendrier de l'Avent, donc celui-ci est l'un des plus chers avec Dior. Et ils en ont fait un, donc à 350€. Cette édition-là n'est plus disponible sur le site internet, mais qu'il est disponible en boutique. Donc si jamais vous voulez l'acheter, foncez, appelez vite, vous le mettez de côté, ou vous pouvez l'avoir, il est magnifique, je vous promets, il est magnifique. Moi qui disais Noël, le ski, la neige, celui-ci est vraiment canon. D'ailleurs, sur le site internet, ils ont fait une mise en scène avec sur un genre de lac glacé, avec une genre de maison, c'est le calendrier de l'Avent, et avec de la neige, et c'est vraiment canon, canon, canon. Qu'est-ce que je peux voir dedans? Dedans, je peux voir qu'il y a des bougies, des crèmes pour le corps, plusieurs bougies, des produits de beauté. Vraiment, il a l'air complet et il est vraiment magnifique. Rien que si jamais vous ne pouvez pas l'acheter, allez le voir parce qu'il est super beau. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai toujours des screen écrans. Vous le verrez jamais aussi bien que sur le site internet. De toute façon, je vous mettrai tous les liens directs dans la barre d'infos. Donc celui-ci, il est vraiment très très beau. Et là, on est sur 25 jours. Depuis tout à l'heure, je vous dis du 1er au 24 parce que c'est ce qu'il y avait écrit. Mais là, c'est 25 jours. Donc jusqu'au 25, vous avez des produits. Donc c'est top. C'est très très, c'est top, top, top. Vraiment, j'adore. Et en fait, ils disent que c'est un calendrier de l'Avent, j'étais en train de lire, qui va vous faire découvrir la marque et tous les produits qu'ils proposent en boutique et qu'on ne connaît pas spécialement. Vraiment, celui-là, ça aurait été un que j'aurais été susceptible d'acheter parce que ça change des calendriers qu'on voit pas souvent, donc c'est pas mal. On continue, comme je vous ai dit, un qui peut être sympa et que donc on passe dans la catégorie un peu maison. C'est en fait tout simplement Maison du Monde qui ont proposé un calendrier de l'Avent que je vous mets juste ici. Et celui-ci, je le trouve vraiment sympa. Donc là, on est dans un univers très Noël, donc j'adore. On est sur des couleurs blanches et un peu marron, si je me permets. Donc c'est un peu univers de chalet. Bon, c'est un peu les tons et l'univers simplement de la marque de Maison du Monde. Hein. Mais j'adore la mise en scène, encore une fois, sur le site internet. Et super joli, donc c'est vraiment découvrir en Noël. De façon à être Noël. Celui-ci est vraiment moins cher que les précédents parce qu'il est au prix de 39,90€ et on a des cadeaux donc du 1er au 24 décembre. Et ça, donc comme je disais, je trouve ça top. Ce qui est bien, c'est que voilà, on va pouvoir retrouver des cadeaux qui vont pouvoir correspondre à d'autres types de personnalités. Si vous n'avez pas envie d'acheter de mettre des sous pour un calendrier d'avant ou qui proposera du maquillage ou des soins de beauté, vous pouvez avoir un calendrier de l'avant pour décorer votre maison. On continue et pour continuer, on va retourner dans la catégorie beauté et je vous ai sélectionné un calendrier de l'Avent fait par la box Glossy Box. Ils ont fait, donc je mets juste ici, un packaging qui ressemble un peu à, vous savez, au marbre mais en rose et blanc. Je trouve ça super joli, c'est vraiment girly. On est sur un prix de 100€, 99,90€, mais on peut dire 100€, on va arrondir. Je ne comprends pas trop parce qu'on est sur un calendrier de l'Avent 2020 qui est à 100€ et si jamais vous êtes abonné sur Glossy Box, il est à 85€. Mais je ne comprends pas trop parce qu'il y a uniquement 4 tiroirs. Donc le packaging est top, il y a 4 tiroirs. Donc je pense qu'à l'intérieur, ah, il y a une vidéo, on va regarder la vidéo ensemble. 24 jours de découverte beauté avec une valeur de plus de 500€. Alors non, ils ne nous disent pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on est bien sur un calendrier d'avant, donc du 1er au 24, avec des produits d'une valeur de 500€ au global intérieur. Donc il doit y avoir des vraies pépites, donc c'est un calendrier d'avant surprise, donc why not, j'aime beaucoup celui-ci, et le packaging aussi est top. Pour finir avec cette vidéo, on va en voir encore quelques-uns. Le prochain que je vous ai sélectionné, donc on est dans un calendrier de l'avant beauté, et j'ai sélectionné donc le Sephora Favorite calendrier de l'avant donc 2020, qui est au prix de 119€, il est canon, à l'intérieur il n'y a que des produits de fou. J'ai vu, ils en proposent plusieurs sur leur site, donc en fait ça va sur différents prix. Moi je vous ai sélectionné, il me semble, le plus cher à 119€, mais il me semblait qu'il y en avait à 40€, et à la 22e, je sais plus exactement quel prix, mais je vais pas vous dire de bêtises, mais je vous laisserai aller directement voir sur leur site internet. Donc moi je vous ai sélectionné celui-ci. Sur le screen écran vous pourrez voir un peu tous les produits qu'il y a, mais donc on a quasiment que des bonnes marques, et il y a vraiment encore une fois une grande diversité d'offres avec des produits de Huda Beauty, Herborian, des produits, plein de produits, on a des masques, des produits de Sephora, de Benefit, vraiment de tout. Et en plus je vais vous montrer parce que ma soeur elle l'a acheté, faudra pas lui dire hein.
Mais il ressemble à ça et je peux vous dire qu'il est super lourd. Je sais pas comment il s'ouvre. J'ai peur. Voilà. Si elle voit ça, elle va me tuer en plus. Elle va me tuer. Et voilà, vous avez tous les petits cadeaux. Et celui-ci, chose que je ne savais pas, donc il va du 1er au 25 décembre. Donc là aussi, on est sur un calendrier du 1er au 25. C'est bien, hein. On a un choix varié des calendriers de l'Avent. Donc on a du 1er au 12, du 1er au 24 et du 1er au 25. Donc c'est très bien. Moi, je préfère les 1er au 25. Au moins, c'est complet. Et un cadeau chaque jour, ça c'est top. Puis je voudrais sélectionner encore un. Et là, on va plus être sur des soins visage. Je vous ai sélectionné celui fait et proposé par Clinique. Clinique est joli. C'est pas mon préféré. Et là, vraiment, on a une série de produits de beauté exceptionnel, il y a un pinceau, il y a quand même en fait il y a 95% des produits qui sont des produits pour la peau, donc des soins visage, et on va dire 5% qui sont voilà du rouge à lèvres, je vous spoil pas trop, vous irez voir. Et là on est sur un calendrier de l'Avent qui est au prix de 90€ et du 1er au 24 décembre, donc sur 24 jours. Avant de vous laisser avec cette vidéo, je voulais vous parler du dernier que j'ai pensé et que je ne l'ai pas mis dans ma sélection hier. C'est le calendrier de l'Avent de la marque Kiehl's, je crois, hein. Dites-moi en commentaire si je le dis pas correctement. Ils ont fait donc également un calendrier de l'Avent, édition limitée, à 90€. Le packaging est waouh. Vraiment, Noël, j'adore. J'adore, je pense que je m'en prendrai un de tout cela, mais je sais pas encore lequel. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Que des produits de beauté. Alors par contre, concernant Kiehl's, malheureusement, vraiment envie de tester leurs produits. Mais je n'en ai toujours pas acheté, donc why not, peut-être qu'un jour tester, pourquoi pas peut-être acheter ce calendrier d'avant, je ne sais pas. Mais je voulais vraiment le mettre en avant parce que beaucoup d'entre vous doivent connaître les produits. Et ils sont sympas parce qu'ils font aussi les masques, vous savez c'est la marque qui font les masques qu'on pose sur le visage. Et en fait après ça fait de la mousse, et moi j'adore les masques avec des effets comme ça, c'est trop amusant, je me régale. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et lequel de tous ces calendriers de l'avant vous auriez préféré. En tout cas, comme à mon habitude, ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Avant de vous laisser, je vous invite à me suivre, à me laisser un pouce bleu et un commentaire sous ma vidéo, parce que c'est ce qui me motive le plus tous les jours à faire des vidéos et à créer du contenu sur YouTube et même sur Instagram. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram et de participer au jeu concours pour que vous puissiez remporter un petit cadeau. Gros bisous, à demain.